Bonjour à chacun et bienvenue pour notre culte donc en ligne. Aujourd'hui, nous allons, comme à chaque fois, écouter la parole de Dieu. Nous allons aussi prier, faire monter nos prières à Dieu et nous allons louer le Seigneur ensemble. Et nous allons commencer d'abord par lui remettre justement ce culte, que nous puissions louer notre Seigneur déjà avec un cœur prêt à l'entendre. Oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes ce privilège de pouvoir t'adresser un culte Seigneur, ce privilège Seigneur de pouvoir louer ton nom, ce privilège de t'appartenir, d'entendre ta voix. Et Seigneur, aujourd'hui encore, fais-nous entendre ta voix. Fais entendre Seigneur ce message, Seigneur, cet évangile, cette bonne nouvelle qui est de vivre avec toi, qui est d'avoir ta vie. Merci Seigneur pour cette vie nouvelle, merci Seigneur parce que cette vie tu la donnes tout simplement. Tu la donnes à ceux qui croient en ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir donné Jésus-Christ. Merci pour les frères et sœurs qui aujourd'hui comme moi peuvent dire je suis sauvé. Sauvé parce que mon Dieu a pris soin de moi. Sauvé parce qu'il m'a donné son Fils pour ôter mes péchés. Son Fils qui a versé son sang à la croix pour moi. Parce que c'est toi Seigneur, oui. Qui mérite toute la gloire. C'est toi, Seigneur, que nous voulons voir aujourd'hui comme étant élevé, le premier, et celui, Seigneur, qui dirige notre vie. Qu'aujourd'hui encore, tu te fasses entendre et que tes serviteurs soient à ton écoute. Merci en tout cas, mon Dieu, pour ce privilège et que toute la gloire te revienne à toi et à ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà, oui, nous voulons vraiment remercier, louer le Seigneur parce que nous pouvons nous présenter devant sa parole. Nous pouvons ouvrir nos bouches pour lui et des personnes peuvent entendre ici derrière vos écrans. C'est vrai que la salle est vide, mais nous savons que derrière les écrans, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts ici à louer le Seigneur avec nous. Et je vous invite à prendre justement un premier chant qui nous permet de dire d'une même voix que le nom de notre Seigneur est merveilleux, ce nom si merveilleux. Prenons ensemble ce premier chant. Si merveilleux, sa beauté sans pareil.
représente son nom pour vous. Pour un petit peu vous montrer qui il est pour nous, j'aimerais qu'on prenne ensemble une lecture dans la lettre ou le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, et nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 14. 9 à 14. Quand vous entendez le mot Apocalypse, les gens pensent catastrophe. C'est destruction totale, fini pour tout le monde. Mais nous, quand nous entendons le mot Apocalypse, eh bien voilà ce que nous lisons. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà une scène d'Apocalypse. Est-ce que vous voyez dans cette scène une catastrophe? Il y a ce qu'on appelle ici une joie, un cantique nouveau pour les racheter. Parce qu'il a racheté de toute tribu, par son sang, tout homme. Voilà le merveilleux nom de Jésus-Christ pour nous. Voilà le nom que nous célébrerons toujours, lui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Voilà pourquoi nous chantons des cantiques, voilà pourquoi nous prions, voilà pourquoi nous écoutons sa parole. Il est digne. C'est ce que nous appelons adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est adorer son Fils Jésus-Christ, l'agneau, eh bien, qui a ce nom Jésus, ce merveilleux nom. Et nous allons encore, dans la continuité de ce culte, continuer à adorer eh bien, Jésus-Christ. Et nous allons prendre ce prochain chant qui nous parle justement de cet agneau, 12 agneaux, de gloire. Voilà, nous chantons ensemble ce cantique pour nous rappeler et nous rappeler de ce que nous allons toujours chanter éternellement. Étranger.
adorer Dieu, adorer le Seigneur. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons faire chaque fois, eh bien, que nous pensons à son nom dans toute notre vie. Chaque fois que nous le mettons en premier, quand nous écoutons sa parole, nous l'adorons. Alors lorsque nous nous réunissons ensemble, en présentiel ou en distanciel, voilà, c'est un moment où on adore en assemblée. Et nous avons des moments eh bien, différents dans la semaine où nous pouvons venir adorer le Seigneur ensemble. C'est les annonces que je vais vous donner pour que nous puissions nous retrouver eh bien, dans cette adoration. Déjà, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez ce culte, ce message pour les adultes, mais nous avons aussi eh bien, pour les enfants la possibilité d'avoir des vidéos donc, qui sont données sur YouTube toujours et qui sont prêtes tous les dimanches matin. Donc déjà maintenant, vous pouvez vous rendre eh bien, pour montrer ces vidéos à vos enfants. Ça dure eh bien, 15 minutes, 15 à 20 minutes pour vos enfants. Après, vous avez votre culte, donc tous les dimanches, comme aujourd'hui. Mais vous avez aussi dans la semaine différentes réunions, comme l'étude biblique à 17h30 avec notre frère Fabrice. Vous avez la cellule de maison à 19h sur YouTube, disponible sur YouTube. Et je vous invite après sur Zoom, afin que nous partagions ensemble eh bien, ce que nous avons reçu de la parole, pour en exhorter eh bien, certains et pour prier ensemble, bien sûr. Et nous avons le samedi, un samedi sur deux, c'est ou le groupe de jeunes ou les adolescents, donc ou le groupe des jeunes ou Metanoia. Metanoia, ça sera donc le prochain samedi. Non, plutôt, ça sera le groupe de jeunes le prochain samedi. Et nous allons aussi avoir, eh bien, tout au long eh bien, de ce moment après le Zoom, que nous pourrons partager ensemble après ce culte donc. Donc je vous invite à vraiment vous connecter. L'idée, ce n'est pas juste d'être connecté pour être branché sur Internet, mais c'est plutôt vraiment de partager ensemble avec ce qui nous est possible de faire pour continuer à nous encourager, à nous exhorter, à nous édifier tout simplement. Je vous invite à prendre un dernier chant avant le message. C'est un chant qui nous parle de l'amour saisissant, fort en tout temps et infini de Dieu. C'est-à-dire, c'est un amour, il a une capacité que nous ne comprenons pas tant que nous ne le vivons pas. Il nous saisit, il nous transforme, il change ce que nous étions, des ennemis, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi des pécheurs, qui l'amènent à quoi ? Eh bien, à une vie pieuse, une vie dans l'amour. Prenons ce chant ensemble. Amour saisissant. Sacrifice, malgré tout, tu as
quand tu me conduis. Les murs sont renversés, les montagnes traversées, quand tu me conduis. L'obscurité dissipée, le mensonge est dévoilé, quand tu me conduis. Oh, l'amour saisissant fort en tout temps, infini de Dieu. Il me donne sa vie et me conduit, me ramène à lui. Je suis indigne de ce sacrifice, malgré tout tu as tout. L'amour de Dieu. C'est un message que nous voulons annoncer tous les dimanches. L'amour de Dieu, un amour qui ne s'épuise pas. Et nous sommes dans un livre où les Corinthiens, donc ces deux Corinthiens, sont en train de vivre l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'abandonne pas ceux même qui le délaissent. Dieu n'abandonne pas ceux qui essaient de fuir sa parole. L'amour de Dieu, il est bon, il est tendre. Et on le chante, mais c'est encore mieux si on le vit et qu'après on le chante. Parce qu'on chante quelque chose que nous avons vécu, c'est un témoignage. Et dans ce livre de Corinthe, c'est Paul qui ramène son témoignage auprès des Corinthiens. Il voit l'amour de Dieu, il vit l'amour de Dieu. Et lors de sa première lettre aux Corinthiens, il leur parle de cet amour. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, ce que je fais, ce n'est rien. Mais pas l'amour du monde, pas l'amour des hommes, l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu aujourd'hui, eh bien, nous l'avons parce que nous partageons cette parole et nous pouvons la vivre. Vivre ce que Dieu veut qu'on vive, sa vie. Il nous aime. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il partage votre vie. Dieu vous aime. Il veut que vous partagiez sa vie. Prions ensemble, nous allons remettre ce message, eh bien, pour que nous recevions aujourd'hui cet amour et que nous le vivions, eh bien, en nous-mêmes et autour de nous. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole, Seigneur, est un message d'amour. Ta parole s'adresse à nous, eh bien, comme une parole qui sait ce qui est bon pour nous, qui veut prendre soin de nous. Une parole qui nous dit où aller, que faire, qui nous sort des ténèbres pour nous amener à la lumière, qui nous fait passer d'ennemis à enfants de Dieu. Seigneur, cette parole, elle nous fait naître de nouveau. Elle nous permet d'accéder au royaume de Dieu, de vivre la vie de ce royaume. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Merci pour cette vie. Merci pour cet amour. Aujourd'hui encore, je te prie que beaucoup de personnes puissent être à l'écoute de ta parole pour entendre cet amour, ce message. Merci Seigneur, parce que tu nous l'as fait connaître. Rappelle-nous toujours, Seigneur, de ne pas nous en écarter, de ne pas nous en éloigner. Merci Seigneur, parce que c'est une bonne nouvelle, cet amour, un bon amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu nous supportes. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci Seigneur, parce que chaque jour, je sais que malgré eh bien, mes péchés, malgré mes failles, malgré mes défaites, toi, tu m'amènes toujours dans le triomphe. Car tu es le Dieu triomphant, le Dieu élevé qui veut faire vivre aux hommes cette vie qui est la sienne. Merci pour cette puissance qui œuvre en nous. Qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu puisses agir puissamment afin de te glorifier dans la vie de chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne à toi ainsi qu'à ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes dans ce livre, cette deuxième lettre aux Corinthiens. Ça fait un Corinthien, deux Corinthiens, ça fait plus d'un an pratiquement. Eh bien, nous avons complété les deux livres, même si c'est un survol et qu'on ne s'est pas vraiment arrêté verset par verset. On a pris des grands passages, parfois des versets plus courts. Mais le but quand même, c'est que quand vous reprenez cette lettre, vous vous rappelez eh bien, du but de Dieu dans votre vie. Et que cette lettre vous rappelle pourquoi Dieu s'adresse à nous. Et nous l'avons vu depuis le premier chapitre.
Nous bénissons Dieu, pourquoi ? Nous le louons, pourquoi ? Premier chapitre, verset 3 de 2 Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Jésus-Christ. Donc nous avons ici le but de la lettre, c'est que nous soyons consolés pour pouvoir en consoler d'autres, pour que nous connaissions notre Dieu. Si nous bénissons quelqu'un, c'est que nous voyons ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est quel Dieu ? Le Père des miséricordes. Il accorde la miséricorde à ceux qui sont dans la misère. Il est le Dieu de toute consolation. Il n'y a rien qui ne console pas. Mais vous ne consolez pas des gens qui pensent être forts et réussir partout. Vous ne consolez pas des gens qui sont durs. Vous consolez des gens qui sont faibles. Vous consolez des gens qui sont là, qui disent « je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. » Et vous les consolez parce qu'ils sont dans la tristesse, parce qu'ils sont dans l'affliction. Et c'est pour ça que Paul, il se réjouit de ses faiblesses, parce que quand il est dans ses faiblesses, il va voir comment Dieu va le consoler. Comment Dieu va lui faire grâce. Sa grâce à Dieu, c'est de nous faire vivre, eh bien, cette miséricorde, cette consolation, cette parole, cet évangile qui agit en nous et qui va changer cette situation de défaite, d'affliction en consolation. Toujours victorieux en Jésus-Christ. Triomphant. La puissance de Christ dans ma vie, moi qui suis un vase de terre, fragile, faible, je peux maintenant dire que alors que j'étais faible, que maintenant je suis fort. Fort, mais pas par moi. Fort à cause de Jésus-Christ. Mais le problème dans la vie des Corinthiens, c'est qu'ils pensaient être fort, fort, fort par eux-mêmes. Ils pensaient que leur capacité personnelle, leur statut, leur niveau les rendaient plus forts. Parce que je suis un grec, je suis un philosophe, je suis fort. Parce que j'ai un bon langage, je suis fort. Parce que j'ai de l'argent, je suis fort. Parce que j'ai une grande maison, une famille, je suis fort. Mais Paul va leur témoigner de sa vie, dans les détresses, dans l'affliction. Beaucoup d'adversaires, et pourtant il est fort. Encore plus fort que ceux qui pensent être forts. Parce que si vous pensez être fort, quelque chose de dur, mes amis, c'est quelque chose qui se brise à un moment donné. Quand on est dur, quand on pense être fort, eh bien on va taper sur tout en pensant qu'on est assez fort pour détruire tout sur notre passage, pour que rien ne nous résiste. Mais le problème, c'est que souvent, au lieu de se laisser consoler par Dieu, nous tapons Dieu. Nous cognons contre sa parole, parce que cette parole ne rentre plus. Et on finit par ne plus vouloir l'entendre. Et ces Corinthiens ne voulaient plus entendre l'évangile. Ils ne supportaient plus l'évangile. Ils voyaient Paul comme quelqu'un de fou. Hein ? Chapitre 11, verset 4, il est en train de dire, on peut lire le verset 3 du chapitre 11, il dit, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Ils ne supportaient plus l'évangile de Jésus-Christ. Ils ne supportaient plus l'évangile annoncé par Paul depuis le début. C'est lui qui a posé le fondement. Ils ne supportaient plus l'appel à la repentance. Ils voulaient un autre évangile, avec un autre esprit, une autre vie. Un autre esprit, voilà, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On finit d'aimer les uns les autres. Voilà, maintenant je veux qu'on m'aime. Fini d'obéir à l'évangile, maintenant j'aimerais vivre autre chose, j'ai des meilleures idées. Et ça, vous savez, c'est ce qu'il appelle embrasser à notre évangile. On supporte bien volontiers d'autres choses dans notre vie, même des lois, des règles qui sont là pour nous réprimer dans notre vie,
qui n'ont rien à voir avec l'amour de Dieu, l'évangile de Dieu. Mais quand on parle, eh bien, de la bonne nouvelle, de pouvoir quoi ? Avoir une vie, et c'est ça la bonne nouvelle, changer, transformer, vivre l'Esprit de Dieu. D'avoir une vie qui peut écouter les prédications de la parole, eh bien, c'est des choses qu'il trouvait fou, il ne supportait pas. Paul, il est fou. Il nous parle de choses, toujours des choses, c'est consolé par Dieu, mais moi, j'ai mes problèmes aujourd'hui, et voilà, mes solutions aujourd'hui, c'est ça. Je suis assez fort pour résoudre mes problèmes. Mais Paul va le rappeler que lui-même, malgré toute sa connaissance, malgré qu'il ait été élevé au troisième ciel, au paradis, il se considère comme faible. Malgré les privilèges qu'il a, parce que c'est un privilège, il se considère comme faible. Surtout parce que ce sont des privilèges qui lui sont accordés par la grâce. Ta grâce me suffit. Pas ce que je peux faire, mais ta grâce me suffit. Chapitre 12, verset 9. Il m'a dit. Pas je crois que, pas je pense que c'est il m'a dit. Je suis sûr d'une chose. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà l'avantage de ceux qui sont faibles. C'est Christ qui agit. C'est celui qui est parfait qui va faire l'œuvre. Ce n'est pas moi. C'est un avantage. Qu'est-ce qui est mieux ? Que ce soit moi qui fasse quelque chose que je ne sais pas faire, ou que ce soit Christ qui fasse quelque chose qu'il sait faire. Il sait aimer. Qu'il aime dans ma vie, qu'il m'apprenne à aimer. Il sait vivre, eh bien, dans la gloire, qu'il me fasse vivre dans cette gloire. C'est une grâce, mes amis. La grâce, c'est que Christ fait vivre sa vie en nous. Son esprit est en nous. Est-ce que vous considérez ça comme une grâce ou votre grâce, c'est d'avoir un statut dans le monde qui est un statut, eh bien, éphémère, riche, une star peut-être, reconnue des gens. Quelle est la grâce qui vous suffit ? Est-ce que c'est la grâce de Christ ? Est-ce que c'est celle qu'il vous dit ? Il m'a dit. Ou c'est celle que vous pensez ? Parce que vous voyez dans le monde que les gens ont l'air heureux comme cela. Nous prêchons la parole de Dieu parce qu'il nous dit. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Et nous avons besoin de voir, est-ce que cette grâce est vraiment ce qui me suffit. Est-ce que je me suffis dans la grâce de Dieu ? C'est la question d'aujourd'hui. Est-ce que je me suffis dans la grâce de Dieu ? Et nous allons lire des versets 4 du chapitre 13 jusqu'au verset 7 déjà. Verset 4 au verset 7, ce sont les versets d'aujourd'hui. Et ces versets nous disent tout simplement car Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Mais j'espère bien que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas disqualifiés. Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi, mais afin que vous pratiquiez le bien, même si nous semblons disqualifiés. Alors, nous avons une version ici, c'est la version second 21. On peut prendre la version nouvelle édition de Genève, s'il te plaît. C'est un peu plus clair sur certains mots. Vous avez un mot qui est disqualifié, et sur la version second 1979, il utilise un autre mot, si on peut aller au verset 5, on va le lire. Hein. Il va utiliser le mot désapprouvé, et la suite encore, il va utiliser le mot désapprouvé. Et il y a ce mot que vous devez noter, c'est « désapprouver ». Et il va être écrit de trois façons différentes. Si on revient au verset 5,
Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Le mot éprouvez-vous, c'est la racine du mot désapprouver. En fait, quand il dit désapprouver, c'est n'ayant pas été dans l'épreuve, n'ayant pas passé l'épreuve. Et la racine, c'est éprouver. Éprouver, approuver. Et il va répéter plusieurs fois ce mot sous différentes formes, approuver, désapprouver. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est être approuvé et qu'est-ce que c'est qu'être désapprouvé. Car il y a des désapprouvés, apparemment, et des personnes éprouvées. Donc le mot en grec, c'est dokimazo, et ça a donné le nom approuvé, dokimos, et donc désapprouvé à dokimos. On retire le dokimos, c'est du grec, simple. Et ce qu'il nous demande, eh bien, c'est d'examiner vous-même. C'est-à-dire qu'après tous ces passages, ce qu'on a lu, ce qu'on connaît de Dieu, l'enseignement que nous avons reçu, il y a quand même maintenant une demande simple, s'examiner. Est-ce que nous pouvons dire que la grâce de Christ me suffit ? Je vais l'examiner. Mais vous ne pouvez pas examiner quelque chose si vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Quand vous examinez, vous devez savoir ce que vous cherchez quand même. Qu'est-ce que vous cherchez dans un examen ? C'est pour ça que j'ai relu le verset 4. Qu'est-ce que l'on cherche ? Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie ? Est-ce que je vis avec lui par la puissance de Dieu ? Mais comment je le sais ? C'est que nous sommes faibles en lui. Et il appuie au verset 5, quel est cet examen ? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Comment est Jésus-Christ ? Comment est-ce qu'il vit ? Est-ce qu'il vit en venant sur cette terre ? Est-ce qu'il est venu en homme faible, en plante faible ? Est-ce qu'il est venu méprisable ? Ou il est venu comme celui qui avait l'air de super-héros, comme nous aimerions voir venir, eh bien, sur notre terre. Voilà, on cherche un sauveur, on veut un Superman, on veut un super apôtre, on veut un super quelque chose éclatant, glorieux, selon notre idée. Mais Jésus-Christ, il est venu comment ? En faible plante. Homme de douleur habitué à la souffrance. C'est ce qui nous avait été annoncé et il est venu comme tel. Maintenant, il dit, éprouvez-vous, ou plutôt examinez-vous d'abord vous-même, savoir est-ce que c'est votre manière de vivre ? Est-ce que vous vous voyez comme Jésus-Christ ? Hein ? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? Si Jésus-Christ est en moi, à quoi ressemble ma vie ? Est-ce qu'elle ressemble à une vie qui s'élève au-dessus des autres ? Ou est-ce qu'elle ressemble à une vie qui s'abaisse pour en élever d'autres ? Vous vous souvenez de ce message ? S'abaisser pour en élever d'autres. Et Paul, il est en train de dire, moi, je reconnais Christ dans ma vie. Je m'abaisse aujourd'hui pour vous élever. Et j'aime m'abaisser pour vous élever. Je veux vous voir être élevé comme un père pour ses enfants. Il prend en charge les Corinthiens. Il accepte les pensées des Corinthiens envers lui. Il accepte les douleurs. Afin de quoi ? De les élever. Quand vous regardez Paul, vous regardez son témoignage. Il a des douleurs quand même. Il témoigne de quoi ? Des souffrances de sa vie. Mais il n'a pas l'air malheureux. Il est un homme qui est heureux. Il reconnaît l'amour de Dieu là-dedans. Il s'examine lui-même. Et qu'est-ce qu'il voit ? La puissance de Dieu qui agit dans sa vie d'abord. C'est un homme fort avant. Vous connaissez quand même Paul. C'était un homme très estimé avant de connaître Jésus-Christ. C'était un homme qui se sentait haut, élevé, comme eh bien, le génie des plus jeunes de son âge vis-à-vis de la secte pharisienne, vis-à-vis eh bien, de la loi de ses pères. Et maintenant, il se regarde comme faible. Et non seulement il se regarde comme faible, mais quand il parle de la faiblesse, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Parce qu'il connaît Christ. Il connaît la grâce qu'est de vivre la vie de Christ, une vie qui a l'air faible, mais dans laquelle nous pouvons voir quoi ? La puissance de Dieu.
Jésus-Christ, il avait l'air faible. Vous vous rendez compte, il est venu, simple homme. Là, il a pris des coups, il a été humilié. Il est mort à la croix, un perdant. Il a perdu à la croix. Sauve-toi toi-même, lui disaient les gens. Sauve-toi, descends de cette croix si vraiment tu es le Fils de Dieu. T'as perdu. Avoue que t'as perdu. Mais nous, aujourd'hui, nous savons que non seulement il a été victorieux, il a vaincu la mort, mais il nous a amenés dans sa victoire. Il a vaincu le péché, la mort à notre place. Et Paul ne fait que quoi ici ? Présenter Christ, non seulement ce qu'il croit, mais comme il le croit, il le vit. Alors il dit simplement aux Corinthiens, maintenant à vous, faites comme moi. Examinez-vous vous-même. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Faites un examen, mais vous savez quoi chercher maintenant ? Cherchez Christ dans votre vie. Et pourquoi ? Pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est-à-dire que si je suis Christ dans ma vie, comment est-ce que c'est possible? C'est parce que j'ai cru en sa parole. Parce que c'est cette parole qui me fait vivre la vie de Christ. Et si j'ai la foi, quelqu'un qui a la foi, est-ce qu'il va vivre comme il vivait auparavant? Est-ce qu'il va vivre comme il lui plaît? Ou la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu? Donc je vis selon ce que j'entends de qui? De Dieu. Et Dieu, il a donné Jésus-Christ comme votre sauveur. Et est-ce que Jésus-Christ, vous l'entendez? Est-ce qu'il vit en vous? Examinez-vous vous-même. Quel est l'examen du jour? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis conforme à cette parole? Et est-ce que je veux obéir à cette parole? Est-ce que je veux vivre la vie de Christ? Certes, je vais avoir l'air faible devant les gens. Mais est-ce que ce n'est pas la vie de Christ? Certes, je vais avoir l'impression que les gens vont croire que je n'ai pas de personnalité, je n'ai pas de vie, je ne fais que faire ce que la Bible me dit. Bon, mais vis un peu ta vie, quoi. Et c'était ça, ces super apôtres. Et Paul, faible, méprisable. Nous, si tu avais un petit peu réussi ton business, Paul, tu serais un peu plus riche. Hein? Si tu avais été un peu plus éloquent, un peu plus... Tu aurais été dans une meilleure place. Mais est-ce qu'il est différent de son Seigneur? Faible et méprisable. Alors éprouvez-vous vous-même. Passez dans l'épreuve, acceptez de vivre ces souffrances, voir comment vous réagirez. Est-ce que vous chercherez ou vous vous attendrez à la consolation de Dieu ou vous allez essayer de vous en sortir par votre propre manière? Eh bien, de vivre en disant « je suis assez fort pour traverser ça ». C'était quoi la tentation du diable envers Christ? Saute de ce temple et les anges te rattraperont. T'es quand même fort. Il pouvait le faire ou pas? Oui, il pouvait le faire sûrement. Mais il n'était pas là pour démontrer cette force. Il était là pour démontrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Examinons-nous. Pourquoi est-ce que nous vivons notre vie? Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous prenons des décisions? Est-ce que c'est pour accomplir le plan de Dieu? Est-ce que c'est par la foi? Ou est-ce que nous le faisons pour montrer, écoutez les gars, bon, moi je ne suis pas n'importe quel chrétien, je suis un chrétien niveau N+1, voilà, j'ai un niveau level je ne sais pas combien par rapport aux autres. Moi je ne m'abaisse pas à ces choses-là. Hein. Moi je ne suis pas là pour souffrir, hein. Je suis là pour vivre au top toujours et je suis là pour qu'on me laisse tranquille, je suis là pour être bien. Mais mes amis, Jésus-Christ, il s'est abaissé. Qu'est-ce que l'on regarde quand on s'éprouve? Ne connaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas que c'est sa vie que vous deviez vivre? Vous ne saviez pas que c'est Christ qui vit en moi? Vous ne le saviez pas? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. C'est-à-dire que vous soyez dans une vie sans épreuves et que les épreuves ne sont pas des épreuves pour vous. Désapprouvé. C'est vrai que le terme disqualifié, on peut parfois ne pas le comprendre en disant disqualifié, ça fait vraiment hop, j'ai raté le coche. C'est pas juste j'ai raté le coche ici et que c'est fini, je ne pourrai plus revenir. Non, c'est pas ça, vous êtes désapprouvé. Si vous vivez la vie de Christ, vous vivez quoi? Ses épreuves. Vous vivez quoi? Ses souffrances. Vous vivez quoi? Sa vie entière. Et quelqu'un qui est désapprouvé, c'est quelqu'un qui dit qu'il est en Christ, mais qui ne vit même pas la vie de Christ. Désapprouvé. Voilà pourquoi il pose la question, examinez-vous vous-même, est-ce que vous êtes désapprouvé? C'est-à-dire, est-ce que la vie de Christ, c'est quelque chose que vous ne voulez pas vivre, que vous ne vivez pas? Nous, ce qu'on voudrait vivre, ce n'est pas la vie de Christ parfois. Nous voulons vivre la vie de celui qui est au-dessus de tous.
n'est pas la vie de Christ, ça. C'est sa vie au ciel, parce qu'il le mérite, mais ce n'est pas sa vie sur terre. Ce n'est pas sa vie sous ce ciel. Sa vie sous ce ciel, ça a été d'être même le serviteur de tous. Et que voudriez-vous vivre ? Est-ce que, peut-être, vous êtes désapprouvé, vous vous dites, bon, moi, ce n'est pas la vie qui m'intéresse, j'ai d'autres choses à faire. Vivre la vie de Christ, c'est secondaire. Prenons le verset 6, qui rentre encore, eh bien, dans plus de détails, il dit, mais j'espère, ici pour la vie de Paul, que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Est-ce que Paul est désapprouvé ? Est-ce qu'on peut dire que Paul vit la vie de Christ ? Moi, je n'ai pas vu sa vie 24 heures sur 24, mais quand je lis là son histoire, juste là, une courte description, faible et méprisable, c'est même les Corinthiens qui le confirment. Il est faible et méprisable. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient en train de dire « il est comme Christ ». Ah, c'est rien, lui. Petit, quoi. Paul, le petit. Rien de super. Et rien n'a regardé, rien qui soit attirant au regard. Ils sont en train de quoi ? D'approuver Paul. Paul passe par l'épreuve. Mais j'espère que vous, vous reconnaissez que c'est bien la vie que Paul a, c'est ce qu'il nous dit. Moi, personnellement, je le reconnais. Mais est-ce que c'est ce que les gens voient chez nous ? Est-ce que c'est ce qu'ils reconnaissent ? Mais si nous ne nous examinons pas nous-mêmes, comment pourrions-nous nous attendre à ce que les gens nous reconnaissent comme des personnes qui acceptent de s'abaisser pour servir ? Qu'est-ce que vous espérez trouver aussi chez les serviteurs ? Comment est-ce que vous regardez les serviteurs ? Comment vous les qualifiez ? Là, pour le coup, on utilise le mot qualifié, disqualifié, approuvé, désapprouvé. Comment vous approuvez un serviteur ? Alors, un serviteur, c'est celui qui a exactement tout ce qu'il faut. Là, il est grand, il est fort, il a fait ceci, il a ce, etc. Et nous cherchons des qualificatifs qui sont ceux de super apôtres. Mais un serviteur, c'est juste celui qui sert, comme Christ a servi. Et j'espère, c'est ce qu'il dit, que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Nous, j'espère que vous verrez que c'est notre service, que ce n'est pas un autre service. Que ce n'est pas le service de quelqu'un qui essaye eh bien, de s'amasser eh bien, les biens des autres, de s'amasser eh bien, l'amour des autres, de s'amasser comme étant le centre de tout. Oh non, qu'est-ce qu'il nous dit depuis le début ? Je vais venir une troisième fois et ça ne sera pas encore à votre charge, c'est à ma charge. Qui est en train de servir ? Qui est en train de dépenser et se dépenser encore ? C'est ça ce que fait Paul. Il dépense, se dépense, il néglige, comme les gens diraient, sa monture. Ah, ménage ta monture, Paul, là, t'en fais trop. Hein. Il n'en fait pas trop. Moralement, tu n'es pas fatigué. Spirituellement, il a toujours des attaques. Physiquement, tu dois te déplacer à gauche et à droite. Il n'a pas d'avion, il n'a pas de voiture. Et il est en train de faire des déplacements de kilomètres et de kilomètres. Ça lui prend énormément de temps, des jours de voyage. Nous, déjà, quand on a envie de partir à Paris pour prendre la voiture, 9 heures de voyage, oh, qu'est-ce que c'est fatigant, là, j'ai pas trop envie, j'ai la flemme. T'as vu tout le trajet qu'il y a à faire ? Mais vous vous rendez compte de leur voyage ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ça à la charge de sa santé, à la charge de sa force, à la charge de ses moyens. Est-ce que vous approuvez quelqu'un qui sert comme ça ? Est-ce que c'est pas comme ça que vous aimeriez que les gens vous servent ? Si tout le monde servait tout le monde de cette manière, est-ce que ce ne serait pas génial ? Est-ce que ce n'est pas la manière dont vous servez ce que vous aimez ? Si vous avez connu l'amour de Dieu, vous savez comment Dieu vous a servi. Il n'a pas regardé la distance. Là, pour le coup, je pense que celui qui a fait le plus de distance, c'est Dieu. Lui qui est du ciel, il est venu sur terre. Lui qui était bien dans son royaume, il est venu souffrir. Mais Paul ne fait que vivre la vie de son maître. Il était peut-être bien là où il était, hein. Quand franchement, être auprès des Corinthiens, c'est quoi comme église ? Qu'est-ce qu'il avait peur de trouver parmi eux ? Je crains, vers chapitre 12, verset 20, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, des jalousies, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Bienvenue à Corinthe. Imaginez-vous un slogan avec ce message. Ici à Corinthe, voilà ce que vous allez trouver. De querelles, jalousie, animosité, rivalité, médisance,
lui disant « Calomnie, orgueil, trouble. Bienvenue à Corinthe. Qui veut venir ? Ah, qui veut servir à Corinthe ?» Mais il vient. Alors, essayez de passer une annonce comme ça pour notre église. Venez servir, voilà ce qu'il y a. Personne ne va vouloir venir. Mais lui, il va venir. Il a peur de trouver ça, mais il faut qu'il vienne. C'est pas qu'il aime, c'est qu'il doit venir. C'est un serviteur. Et parfois, c'est ça, quand on est serviteur, on doit faire quelque chose, c'est pas qu'on en a envie. Il y a des peurs, voilà ce qui risque de nous arriver. Mais qu'est-ce que Dieu demande à Paul ? Parle dans cette ville. Tu dois parler. Tu dois leur dire. Tu dois annoncer l'évangile. Tu dois enseigner. Et parfois, vous savez, quand vous vous retrouvez derrière un pupitre, là, c'est pour ça qu'on prend des livres qui s'enchaînent, et tous tes passages, là, on ne peut pas les sauter. Mais bon, on doit parler. On doit dire ce qui est écrit dedans. Et parfois, les gens ils disaient à Paul, « Oh, toi, tu essaies de te justifier, c'est pour ça que tu nous enseignes cela. » On va juste enseigner ce qui est dans la parole. Après, à un moment donné, parfois, il y a des choses... c'est un peu, voilà, c'est, je ne sais pas comment les gens vont le prendre. Mais est-ce que ça, c'est à moi de vérifier cela ? Ce n'est pas mon message. C'est le message de Dieu. Donc moi, quel est mon rôle ? Je m'examine moi-même. Cette parole, est-ce que tu l'acceptes pour ta vie ? Si je dois l'annoncer, il va bien falloir que j'accepte. Et est-ce que vivre la souffrance qui va aller peut-être d'annoncer cette parole, est-ce que tu l'acceptes ? Il va forcément falloir que je l'accepte aussi. Et est-ce que tu vas accepter donc d'être faible, d'être réduit, peut-être à être appelé un quoi ? Un faible, méprisable, quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un qui est là pour... si c'est ce qu'il faut faire, est-ce que vraiment c'est une question de choix ? Non, c'est une question d'obéissance à l'évangile. Ma grâce te suffit ? Est-ce que je pense que la grâce de Christ est plus importante que mes peurs ? On a le droit d'avoir peur. Mais si on pense que la grâce de Christ est quelque chose d'au-dessus de la peur, on va rester comment ? Dans l'affliction. Mais si vous vivez la grâce de Christ, vous ne resterez pas dans l'affliction. En Jésus-Christ, qu'est-ce que vous verrez ? Nous l'avons vu, c'est la puissance de Dieu. Et si vous voyez la puissance de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avoir peur ? Si vous la voyez œuvrer, là où vous dites, non, je ne sais pas si ça va passer, il faut travailler, traverser cette mer, mais on ne passera jamais. Oh, tu veux que j'avance ? Allez en avant jusqu'au bout. Oh, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, cette mer. C'est la puissance de Dieu. Et la prochaine fois que vous vous retrouvez devant la mer, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dire quoi ? Oh non, encore une fois, ça s'est déjà ouvert une fois. Il va faire quoi s'il te dit d'aller ? Il va encore ouvrir. Et c'est ça la vie avec Christ. C'est qu'il y a des souffrances, il y a des adversités, mais quand vous voyez derrière que tout se résout, il va vous en donner d'autres et vous allez avancer. Et à chaque fois, vous allez vivre quoi ? Des afflictions, mais après des consolations. Des combats, mais après des victoires. C'est ça les épreuves. Quand il dit « éprouvez-vous ». Vous-même. Regardez si vous êtes prêt à vivre les épreuves. Est-ce que vous êtes prêt à avancer par la foi et de regarder la puissance de Dieu dans l'épreuve s'accomplir ? Là où j'étais certain de mon arrêt de mort, dira Paul, j'ai été délivré. Et je suis délivré et je serai encore délivré. Il conclut même le futur. De toute façon, quoi qu'il advienne, je serai délivré. Oh, mais Paul, il n'est pas éternel, hein, il va mourir un jour. Oh oui, et c'est une quoi pour lui, la mort ? Une délivrance. Parce que c'est ça les épreuves, mes amis. Même la mort devient quoi ? Un sujet de joie. Mais mes amis, examinez-vous, est-ce que c'est ce que vous pensez aujourd'hui ? Examinons-nous où est-ce que nous en sommes par rapport à la vie en Christ ? Est-ce que nous voulons vivre ces souffrances ? Et notre finalité, c'est d'aller dans la vie de résurrection de Christ. Une vie éternelle auprès de Dieu, à vivre éternellement conformément à Dieu. Le verset 6 nous dit que Paul espère qu'il soit vu comme cela. Est-ce que la biographie de votre vie, à la fin de votre vie, c'est d'espérer qu'on vous voit comme cela ? Et c'est ce que j'espère, qu'aujourd'hui déjà, ça soit vrai, que nous soyons vus. Non pas comme désapprouvé, mais comme approuvé dans la vie de Christ. On sait que c'est difficile, parce que nous sommes des hommes et que nous avons besoin aussi de nous exhorter à vivre cela. C'est ce que fait Paul pour les Corinthiens. Mais non seulement il exhorte, mais le verset
7 nous dit quoi ? Cependant, je prie Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour que nous paraissions nous-mêmes avoir réussi. Hein, tu peux reprendre la version nouvelle édition de Genève, s'il te plaît ? C'est... Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous ne soyons comme désapprouvés. Il y a les super apôtres qui paraissent. Il y a des gens qui veulent paraître. Et parfois, nous venons à l'église pour paraître, paraître bien, paraître dans la joie de Dieu, paraître dans la paix de Dieu, paraître comme étant des personnes approuvées. Mais il parle ici non pour paraître nous-mêmes approuvés. Il n'est pas venu pour ça. Peu m'importe que les gens pensent qu'il a l'air approuvé ou non. Il dit, cependant, nous prions Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu ? Qu'est-ce que nous voulons pour chacun d'entre nous dans l'Église ici ? Que personne ne fasse rien de mal. C'est pas ça la vie avec Christ ? S'il ôte les péchés, nous n'allons pas nous faire du mal. Nous n'allons pas vivre, eh bien, c'était la peur qu'il avait dans les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles. Ça fait mal à tout le monde, ça. Et vivre, eh bien, sans Christ dans notre vie, c'est juste ça le lot. Regardez notre passé, regardez notre vie lorsque nous désobéissons à Christ, lorsque nous ne voulons pas, eh bien, vivre l'évangile, nous causons toujours du tort. Mais la prière, c'est que personne ne fasse du mal. C'est ça le culte que nous rendons à Dieu. Nous nous rassemblons, pourquoi ? Pour nous éloigner du mal, ensemble. Et nous prions que chacun d'entre nous, eh bien, nous puissions exhorter les autres à s'éloigner du mal. Mais nous d'abord, pour que nous fassions du bien aux autres. Et c'est ce que Paul nous dit, non pour paraître nous-mêmes approuvés. Le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour qu'on ait des bons points, on dit « Ah, il a l'air bien, Paul, en fait. » Non. Mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Tu ne veux pas paraître approuvé, tu veux paraître même désapprouvé, c'est-à-dire comme des personnes qui n'ont pas l'air éprouvées. Et le but, ce n'était pas d'examiner pour voir si nous étions éprouvés. Il dit, c'est peu importe la manière dont vous voyez Paul. Qu'est-ce qu'il est en train de... Ils sont en train de regarder Paul comme étant quoi ? Eh bien, il est fou. Chapitre 13, verset, pardon, chapitre 12, qu'est-ce qu'il nous dit tout simplement ? Verset 11, « J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car j'étais inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Donc il a été un insensé, il a été contraint à cela, c'est-à-dire qu'il avait l'air d'un quoi ? Quelqu'un qui était désapprouvé. Un insensé. Quand même, il devait être montré qu'il était un sage, plutôt. Non, elle a dit, si vous pensez que c'est insensé ce que je fais, peu importe. C'est vous qui deviez même nous recommander de dire que non, Paul, c'est une sagesse, ce qu'on a vécu de lui, avec son enseignement et tout. Mais il a dit, voilà, vous pensez que je suis inférieur à ces apôtres. Vous pensez que je suis désapprouvé. Mais moi, tout ce que je veux, qu'est-ce que l'on veut ? Que vous pratiquiez ce qui est bien. C'est ce que nous dit le verset 7. Ne pas pratiquer le mal, c'est une évidence. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que vous pratiquiez ce qui est bien. Mais comment vous pouvez faire ce qui est bien si vous n'agissez pas selon le seul qui sache faire ce qui est bien ? Si vous n'examinez pas que Christ est dans votre vie, comment vous arrivez à faire ce qui est bien ? Comment ? Si vous êtes capable de faire le bien sans Christ, à quoi sert la vie en Christ alors, si vous saviez déjà le faire ? À quoi sert, eh bien, de demander à Dieu, si vous savez le faire ? À quoi ça sert ? Christ est mort en vain, vous n'êtes pas des pécheurs. En fait, on est tous des saints et on a besoin de la parole que juste pourquoi ? Pour nous dire, nous sommes des saints. Non, la parole est là pour nous rappeler, nous sommes faibles. Comment ça, faible ? On est faible. Comment alors on agit ? Comment on vit alors ? Comment je peux avancer si je suis faible ? Si c'est ce que me rappelle la parole ? On est faible, et pourtant on est puissant.
Nous, on est puissant. On est faible. Et pourtant, on est puissant. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est quoi cette puissance? Verset 8. Quelle est cette puissance? Comment ça se fait qu'on peut avoir une puissance si ce n'est pas par moi, si ce n'est pas par ce que je sais, par mes connaissances? Le verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Si vous voulez une vie qui agit dans la puissance de Dieu, c'est pour la vérité. C'est pour pratiquer ce qui est dans la vérité, le bien. La vérité, ça ne sera jamais de vous amener à faire ce qui est mal. Et nous n'avons pas de puissance contre. C'est-à-dire de se dire, ça je ne veux pas. Dites, je ne veux pas, quand Dieu vous dit, il n'y aura pas de puissance. Et ne vous étonnez pas après que vous vous dites, ou qu'on se dise plutôt, ouais, mais où est Dieu là? Où est Dieu? Où est Dieu dans la vie là? Pourquoi Dieu n'était pas là, là? Dans mes afflictions, pourquoi il n'était pas là? Dans mes problèmes, où est-ce qu'il se trouve? Mais c'est l'évangile, c'est l'obéissance à la vérité. Et la puissance, nous en avons pour la vérité. Que pour la vérité. Alors mes amis, c'est pour ça que nous prêchons la parole de Dieu. Pour la vérité. Pour agir avec une puissance qui n'est pas la nôtre. La puissance de Dieu en nous. Mais la puissance de Dieu en nous, c'est Christ. Christ, notre trésor. Christ, dans ce vase de terre, examinons notre vie. Est-ce que Jésus-Christ est dans ma vie? Est-ce qu'il a sa place comme étant celui qui règne? Si c'est le cas, verset 9, et nous terminerons par cela. Nous nous réjouirons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Quelqu'un qui a Christ, il se réjouit. Dans quoi? Dans sa faiblesse. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles. Est-ce que vous vous réjouissez d'être vu faible? Est-ce que vous vous réjouissez que les autres soient trouvés forts et que vous faibles? Ou vous vous réjouissez quand vous êtes trouvé fort et les autres faibles? Généralement, c'est plutôt dans l'autre sens. Moi, je suis le meilleur et les autres, je les ai tous passés là. Tous nuls. Ils sont nuls, nuls, nuls. Super apôtre, c'est moi. Et il dit ce que nous demandons dans votre prière. Ce n'est pas que les gens soient faibles. Nous demandons quoi? Votre perfectionnement. Que vous agissez de mieux en mieux en Christ. Voilà pourquoi, eh bien, mes frères et sœurs, nous écoutons la parole de Dieu. Cette vérité, elle a la puissance de nous rendre quoi? Grandissant dans la perfection. Et nous prions cela. Quelle est la force? Une vie qui va aller de mieux en mieux, consolation après consolation, qui abonde dans la consolation en Christ, comme il a abondé dans la souffrance en Christ. Alors examinez-vous vous-même, examinons-nous nous-mêmes, éprouvons-nous nous-mêmes. Est-ce que nous sommes éprouvés ou désapprouvés? Si nous sommes éprouvés, alors réjouissons-nous des faiblesses qui sont vues, parce qu'elles seront perfectionnées pour nous amener à être forts. Réjouissons-nous que Christ grandisse dans notre vie. Réjouissons-nous ensemble. Si peut-être aujourd'hui, vous ne comprenez pas cette joie, mais que vous voyez quand même qu'il y a des détresses dans votre vie, ne jouez pas les forts. Acceptez que la solution, c'est Dieu qui vous la donne, le Dieu des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Il veut consoler ceux qui sont faibles, nous. Qu'aujourd'hui, vous dites simplement, Seigneur, j'accepte ta force qui est Christ. J'accepte ton salut qui est de retirer ce qui empêche ma vie, et bien d'avancer mon péché. C'est la prière que Paul avait pour les Corinthiens à leur perfectionnement. C'est la prière que nous avons pour chacun d'entre vous derrière cet écran, que vous soyez perfectionnés d'abord en ayant Christ dans votre vie, mais en le laissant grandir aussi, et bien en tout point. Alors que notre vie soit rayonnant de joie à cause de ses faiblesses que le Seigneur, eh bien, est en train de remplacer par sa force. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions. Mon Dieu, oui, nous sommes
dans la joie, Seigneur, de voir que, oui, nous vivons aujourd'hui des faiblesses, peut-être nous vivons dans les détresses, des calomnies, Seigneur, nous vivons chaque jour des épreuves, Seigneur, des choses qui sont dures à traverser. Parfois, Seigneur, nous trouvons peut-être cela dans nos mots, injuste. Parfois, Seigneur, nous nous disons, mais pourquoi nous ? Mais Seigneur, lorsque tu es dans notre vie, lorsque nous lisons ta parole, nous voyons que ce que tu veux, c'est accomplir ta puissance en nous. Cette grâce, Seigneur, que de vivre ta vie. Cette grâce qui est, eh bien, d'avancer dans cet esprit qui est le tien, l'amour. De vivre cela, Seigneur, autour de nous. Merci pour ce message d'amour. Merci parce que tu nous transformes, tu nous reprends chaque jour. Merci pour cet amour. Merci parce que tu es le Père qui regarde à ses enfants, qui ne laisse pas ses enfants s'égarer, qui ne laisse pas ses enfants, eh bien, persévérer dans le mal. Mais Seigneur, oui, ce que tu veux, c'est que nous pratiquions le bien. Et Seigneur, ta vérité nous amène à pratiquer le bien. Merci, mon Dieu, pour ce message que nous avons lu, ce livre, Seigneur, des Corinthiens, qui se termine bientôt, mais que nous voulons, Seigneur, ressasser dans notre cœur. Car tu es le Dieu qui rappelle les choses. Tu ne nous laisses pas oublieux. Tu ne nous condamnes pas à, eh bien, ce que nous sommes, et eh bien souvent la mémoire est oublieuse, mais tu vas nous rappeler. Tu nous rappelles toujours. Aujourd'hui, mon Dieu, que tu puisses vraiment ancrer dans nos cœurs tes paroles. Car aujourd'hui, Seigneur, nous voulons continuer encore à te mettre en premier dans notre vie. Et Seigneur, je te prie pour notre Église qu'elle grandisse encore dans cet amour pour toi, cet amour qui vient de toi. Merci, mon Dieu. Et je te remets à chacun de mes frères et sœurs, moi-même, Seigneur, que tu nous mènes à cette perfection qui est en ton Fils Jésus-Christ. C'est au nom du Père et du Fils que je fais cette prière. Amen. Je vous invite à terminer, eh bien, ce culte par un dernier chant. Voilà, c'est un chant qui, dont le titre est « Tout pour moi ». Et voilà, il commence par ce refrain qui parle de Jésus, notre agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été donné pour nos péchés. Et vous verrez la strophe, il dit simplement « Dans ma faiblesse, je suis fort ». C'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est l'agneau qui ôte mes péchés. C'est Jésus qui transforme ma vie. On l'a vu dans ce message. Maintenant, chantons-le ensemble à pleine voix. Jésus, agneau de Dieu.
c'est l'agneau de Dieu qui est digne, ce n'est pas nous. Et c'est ce que nous crierons, comme nous l'avons vu dès le début de ce culte, même eh bien, lorsque nous serons au ciel, nous ne cesserons de le louer. Que ce soit eh bien, notre vie pour ce dimanche, mais aussi pour le reste de la semaine, une vie à la gloire de l'agneau de Dieu. Bonne journée à tous et à très bientôt.